Allez, une petite caricature vite fait. Nouveau projet. Je sélectionne la photo, ouvrir. Alors maintenant, je vais aller sur l'outil déformer. Alors, on a trois options ici. Par défaut, il se met sur étaler. Alors, étaler, c'est quoi? Quand on clique, on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé et on glisse la souris en étale. Ok, je reviens en arrière. Zoomer. Quand je fais un clic gauche que je maintiens la souris enfoncée, je vais agrandir. Si je fais un clic droit que je maintiens le bouton enfoncé, je vais diminuer. Je reviens en arrière. Et tourner. Quand je maintiens le bouton gauche enfoncé, je vais tourner vers la gauche. Quand je maintiens le bouton droit enfoncé, je vais tourner vers la droite. Je reviens. Ici, on a le diamètre, plus ou moins grand. Vous pouvez utiliser le curseur ou saisir une valeur à la main et taper sur la touche Entrée pour valider. Là, c'est la pression. On voit un peu le preview ici en bas. Là. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça va être plus ou moins gros. Voilà. Si je suis encore surtourné, on va avoir un problème. Et la pression. Moins de pression, plus de pression. Vous voyez ? Moins de pression, plus de pression. Donc, plus de pression, c'est-à-dire qu'on va. Bon. On va peut-être augmenter le diamètre. Voilà. Donc, vous voyez, bien, beaucoup, pas mal de pression. Ça déforme bien. Si je diminue un peu. Ouais, même, ça déforme moins. Ok. Donc, je vais remonter. Ça, c'est la plume. Vous voyez. Alors, la plume, c'est en fait, c'est-à-dire que on a un bord plus ou moins doux. Hein. On voit pas trop là, mais bon. Feature. Ben non, c'est pas feature, c'est phaser. Et là, la force, strong, plus ou moins de force. 100, on a pas mal de force. Et voilà, je glisse, il se passe rien parce qu'on est en dessous. Qu'est-ce qu'on a? On a moins de force. Ok. Comme son nom l'indique. Bon, ça, ça c'était rien, ça. C'est qu'il y avait un gif animé pour montrer avant, mais il a été retiré. Donc, on est bon, on va recommencer. Outil, déformer. Donc, je vais étaler. Pinceau, non, peut-être pas tant quand même. Voilà. Donc là, par contre, je vais mettre plus de pression, plus de force. Voilà. J'étale ici. Ici, je fais l'inverse. Voilà. Bon, ben voilà. En fait, suivant les personnages, les personnes, ben, il faudra faire des trucs différents. Hein. Par exemple, ici, je pourrais éventuellement tourner. Donc, je diminue le diamètre. Pas tant quand même. Un petit couvert à droite, ouais. Hop, il n'est pas content. Hein. Voilà. Ou l'inverse, s'il est content. Ouais, il faudrait que je fasse un diamètre plus gros pour que ça fonctionne, cette histoire de quand t'as pas content, mon ami. Voilà. Là, il n'est pas content. Et l'inverse, s'il est content, c'est ici. Non, c'est inverse. Il est content, donc il va aller ici et ici. Oui, sauf que là, par contre, il faudra faire attention au reste. Donc, voilà, ça n'a pas fonctionné à merveille. Donc, on va laisser là pour l'instant. Ou alors, on va dire qu'il n'est pas content plutôt. Ça, voilà. Là, pareil, pour le nez, on peut l'agrandir. Donc, je vais aller ici. Je ne vais pas faire du zoom. Hein. Je vais étaler parce que le zoom, ça ne va pas être trop naturel. Enfin, c'est pas que ça, c'est naturel, mais bon, on se comprend. Hein. Voilà. On va voir si je monte, là je déforme, on perd de la ressemblance. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Si je augmente les oreilles éventuellement. Bon, l'autre côté on les voit pas donc. Mais bon, voilà, on va laisser comme ça. C'est bon? Allez, ok. Voilà, donc là on a cette partie là qu'il va falloir corriger. On repart sur déformer. Et là, j'étale pareil. Ici,
Il me reste en bas peut-être un petit peu. Hop, voilà, ok. On est bon. Ben voilà, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez peindre un peu de rouge ici ou sur le nez, etc. Comme on a vu dans la vidéo précédente d'ailleurs, hein, faire un peu de rouge. La lumière, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est comment faire une caricature. Donc on s'arrête ici. Après, vous avez un autre logiciel là, dans la même boîte. C'est caricature. Photo caricature, hein, donc il fait la même chose, sauf qu'en plus après vous pouvez transformer la photo en dessin également. Chose que vous ne pouvez pas faire ici. Donc là, enregistrer la photo. Depardieu numéro 2. Enregistrer la scène entière ou la photo sélectionnée, il n'y en a qu'une, donc c'est pareil. Voilà. Donc avant, après. Voilà, donc tout simplement, hein, pour faire une caricature.